cet aboutissement, c'est formidable. Je me permets simplement une proposition complémentaire, si vous voulez. Dans les objectifs qui sont fixés dans cette délibération, bon, j'entends bien qu'ils ne sont pas gravés dans le marbre, parce que j'imagine qu'au fur et à mesure, les choses vont évoluer, mais malgré tout, c'est quand même fondateur, cette délibération, donc je me permets, je vous dis, cette proposition. Est totalement absent de cette délibération la question de la transition énergétique. Alors ça me semble être un des éléments majeurs, capital, de ce que nous devons prendre, entre autres, en compte dans les futurs documents d'urbanisme. Et je voulais savoir si vous acceptiez que soit rajouté dans les objectifs, et en particulier dans le deuxième, parce que vous voyez, les objectifs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le deuxième et le cinquième pourraient être complétés en ajoutant un simple petit bout de phrase que je vais vous proposer, en particulier dans le deuxième objectif, lorsqu'il est dit « revitaliser les centres de bourg et de ville, les quartiers, en favorisant la diversité des activités et des usages », est-ce qu'il est possible, après les quartiers, de rajouter, en encourageant la requalification patrimoniale et énergétique de l'habitat existant ? Oui, d'autant plus que ce travail est déjà engagé. Oui, mais comme c'est un document un petit peu fondateur, je pense que c'est bien de... C'est la proposition que me permet de vous faire, si vous voulez. Il n'y a pas de difficulté à l'inscrire. Merci.